bienvenue à l'église Momentum. Avant de commencer cette célébration, j'aimerais vous partager une magnifique nouvelle. Momentum Paris démarre le 15 septembre. On va vous demander juste d'être attentive sur l'adresse et sur les horaires qui vont paraître dans les réseaux sociaux dans quelques jours. En attendant, on va se retrouver dans quelques instants avec Pasteur Patrice pour un message « Débloque ta foi » et on va tout d'abord louer et adorer le Seigneur. Seigneur, oh, tu es merveilleux. Merci
Laissé seul face à nos ennemis, face à nos difficultés. Il nous a donné une arme, il nous a donné son nom. Son nom que nous pouvons proclamer avec autorité et avec foi, peu importe les situations. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons proclamer le nom de Jésus dans les ténèbres, sur nos ennemis, mais aussi pour notre famille, pour nos amis, pour notre entourage. Le nom de Jésus est puissant et nous avons son autorité pour le proclamer. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça ensemble? Amen. Chantons « Je veux proclamer ». Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Ton nom est puissant et ton nom guérit.
maintenant. Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit et prie pour ton entourage. Prie peut-être pour ta famille, pour tes amis, pour tes collègues, pour tes voisins. Laisse-toi inspirer par Dieu et élève ta voix maintenant. Déclare le nom de Jésus, celui qui apporte la paix. Nous débutons une nouvelle thématique qui va s'intituler, cette nouvelle thématique va s'intituler déblocage. Parce que je crois que notre Dieu est celui qui veut débloquer des choses dans notre vie. Est-ce que vous le croyez ça ? Que ça soit dans la foi, que ça soit dans le domaine spirituel, professionnel, au niveau du ministère, au niveau de nos familles, je crois que notre Dieu est capable de nous faire passer d'un blocage à un déblocage. Je crois vraiment de tout mon cœur. Imaginez avec moi, vous avez un peu d'imagination ? Imaginez avec moi que la vie, finalement, c'est comme une randonnée et on doit se rendre en haut d'une montagne pour vivre vraiment tout ce que Dieu a prévu. Et là, vous partez dans cette randonnée, mais au lieu d'avoir un joli sac tout neuf, hyper léger, vraiment dernier cri, dernière mode, etc., en fait, tu as hérité d'un sac à dos qui est troué, qui est usé, abîmé, qui sent mauvais. Et en plus, il y a plus de 30 kilos de briques à l'intérieur. Et toutes ces briques représentent des blocages dans ta vie. Ces briques sont des blocages psychologiques, mentaux, spirituels, familiaux. Et tu as ça. Et en fait, ça devient dur. Ça devient dur de te déplacer. Ça devient dur de gravir cette montagne que Dieu veut pour toi. Et tu te retrouves complètement bloqué. Puis un jour, tu es là, tu es dans ton canapé. Et puis,
tu as envie de te faire un plaisir. Tu dis, ah, j'irais bien à la boulangerie me chercher un bon petit croissant au beurre. Et là, tu essayes de te lever, mais c'est dur parce que le sac à dos, parce que les briques, parce que tous les blocages. Mais finalement, tu y vas et tu essayes de te faire un... Tu déambules comme ça dans les rues de ta ville jusqu'à aller à la boulangerie. Et tu arrives à la boulangerie, tu es en sueur, tu as le souffle court. Et là, tu regardes la boulangère, s'il vous plaît, madame, je voudrais mon croissant. Et là, il te tend un croissant, mais il est complètement rassis. Et là, avec le croissant rassis, tu perds espoir. En fait, c'est comme, j'ai perdu ma journée, mais pourquoi ? C'était dur de me bouger, c'était dur de toutes sortes. C'est pas cool en ce moment, ma vie, c'est pas facile de me lever le matin. Et là, je vais me faire un plaisir, et c'est pas génial. Et là, tu te déprimes. Puis tu dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ma vie aille mieux ? Et là, tu as une épiphanie, tu as une révélation. Tu te dis, waouh, dans mon quartier, il y a un coach de vie, je vais aller le voir. Et là, tu arrives, tu toques et puis tu commences à discuter avec lui. Et là, lorsqu'il parle, tu as l'impression qu'il a avalé un dictionnaire de citations toutes faites au petit déjeuner. Et là, il te balance citation sur citation. Là, tu le regardes, tu dis, wow, wow, wow. Puis à un moment donné, il te dit, écoute. Regarde, la vie, c'est comme, finalement, c'est comme si tu avais des ballons. Des ballons bleus, des ballons rouges, des ballons verts, toutes sortes de ballons comme ça. Et là, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Laisse les ballons s'envoler. Laisse-les partir au loin. Ils t'empêchent de t'envoler. Et toi, tu es là, tu essayes de visualiser la scène et tu te retrouves comme ça, avec tes ballons. Tu essayes de visualiser tout ça pour lâcher tout ça, pour essayer de t'envoler. Et là, au bout d'un moment, c'est un peu comme un clown dans un anniversaire d'enfant, sauf qu'il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a pas d'enfant. Et tu es tout seul dans ton salon, et tu t'aperçois que ces ballons, ces satanés ballons, au lieu de les lâcher et qu'ils s'envolent et qu'ils allègent ta vie, tu as l'impression que littéralement, ils se retournent, ils deviennent des boulets qui viennent s'accrocher à tes pieds. Et en plus, maintenant, de ton sac à dos où il y a tes peurs, tes inquiétudes et tes angoisses, tu te retrouves avec des boulets aux pieds et ta vie devient complètement difficile à vivre. Je crois qu'ici, on a tous des blocages comme ça. On ne les voit pas parce que ce n'est pas visible à l'œil nu. Mais on a toutes sortes de blocages. Il y en a ici, vous avez des blocages au niveau émotionnel. Vous avez des peurs, des inquiétudes qui vous empêchent de vivre ce que Dieu désire. Il y en a, vous avez des blocages familiaux. Ça ne fonctionne pas dans le couple. On frappe, ça n'avance pas. Ou alors c'est avec nos enfants. Il y a comme un conflit intergénérationnel. Ou alors c'est dans notre ministère. Professionnel, on a l'impression qu'on frappe un plafond de verre, on n'arrive pas à passer, on n'arrive pas à débloquer, on n'arrive pas à aller à l'étape suivante. J'aimerais vous encourager, et c'est ce qu'on va faire durant tout ce mois, nous allons voir comment passer du blocage au déblocage, afin de vivre que ce soit dans le domaine de la foi, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine psychologique, émotionnel. Je crois que notre Dieu est capable de nous faire passer d'une étape à l'autre étape, d'un blocage à un déblocage, et que ceux qui le croient dites « Amen ». Et applaudissez bien fort. Alors aujourd'hui, on va regarder quelque chose de précis, c'est le déblocage de la foi. Débloque ta foi, débloque ta confiance et ta croyance en Dieu. Débloque-toi de toutes ces limitations qui t'empêchent justement de t'envoler et de vivre ce que Dieu veut pour toi. Alors juste, laissez-moi planter le décor de la scène que nous allons lire. La Bible nous dit que Jésus est sur une plage, et il est en train de prêcher. Il prêche à un groupe qui est devant lui. On ne sait pas si c'est un petit groupe, un grand groupe, peu importe. Il est en train d'apporter la parole, il est en train d'enseigner. Et alors qu'il prêche sur cette plage, il y a deux bateaux qui arrivent, deux barques qui sont en train d'arriver. Et les deux barques accostent sur le rivage. Et puis il y a les pêcheurs qui descendent, dont un qui s'appelle Simon. Simon, c'est celui qui deviendra plus tard l'apôtre Pierre. À ce moment-là, c'est juste un gars qui a une entreprise. C'est un marin pêcheur professionnel. Et là, il a pêché toute la nuit. Et il n'a rien pris. Et il est totalement découragé. Et la Bible nous dit, il descend du bateau et il commence à laver les filets. Et alors que Jésus est en train d'enseigner, il voit cette scène, il voit ces deux bateaux arriver et il voit Pierre qui est en train de laver les filets. Regardez ce qu'il est dit. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. C'est là que Jésus va s'approcher de Simon et il va s'en suivre
tout un épisode, un récit qui est puissant et qui va nous servir aujourd'hui pour aller de l'avant, pour débloquer littéralement notre foi. La Bible nous dit qu'ils étaient en train de laver leurs filets. Il faut savoir que quand tu laves tes filets, c'est que tu as dit dans ta tête, c'est terminé, c'est fini, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai bossé toute la nuit, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai sué, j'ai donné mon meilleur, ça n'a pas marché. Il faut savoir que dans la croyance, dans ce que, la manière dont ils pensent, c'est que si je n'ai pas attrapé de poisson la nuit, je n'en attraperai pas la journée. Si vous comprenez ? Donc, Pierre est là, c'est fini. J'ai travaillé toute la nuit, on a bossé. Je ne suis pas un feignant, ok ? J'ai bossé, pasteur. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, que ce soit pour mon ministère, que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour sauver mon couple, que ce soit pour mon entreprise. Bref, j'ai bossé. Ça n'a pas marché. J'ai fait tout ce que je pouvais, ça n'a pas marché, et maintenant, je lave mes filets. C'est fini, j'abandonne. Laver ses filets, ça veut dire j'abandonne. C'est terminé, game over, je passe à autre chose. Et je notais ceci, y a-t-il une personne en ce moment dans ce lieu qui lave ses filets ? Ne levez pas la main. Mais je suis persuadé qu'il y en a beaucoup dans ce lieu. Dans un aspect de votre vie, en ce moment, il y en a, vous êtes en train de laver vos filets. Vous dites, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Vraiment, j'ai bossé pour que ça marche. Ça n'a pas marché. C'est terminé. Je lave mes filets, je vais me coucher, j'arrête, je vais pas plus loin. C'est fini. C'est trop tard. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop gros, je suis trop mince, je suis trop ceci, je suis trop cela, je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela. C'est terminé. J'abandonne, je lave mes filets et je rentre. Et c'est fou parce que quand tu te dis ça, alors que Dieu ne t'a pas demandé d'abandonner, écoute bien, Dieu ne t'a pas demandé d'abandonner. C'est toi qui, à un moment donné, tu en as tellement marre, tu dis, c'est bon, j'abandonne. Et je notais ça pour que vous puissiez comprendre. Certains d'entre vous justifient même cela en disant, si le Seigneur avait voulu que j'attrape du poisson, il m'aurait béni pour que j'attrape du poisson. Alors ça ne doit pas être la volonté de Dieu que j'attrape du poisson. Si vous comprenez ? Des moments, Dieu te dit d'arrêter, mais des moments, Dieu ne te dit rien. Et c'est toi qui dis, ben, si c'était la volonté de Dieu, j'aurais attrapé du poisson. Mais vu que je n'ai pas attrapé de poisson, c'est que Dieu n'est pas dans l'affaire. Et je crois que laver nos filets signifie abandonner nos rêves, abandonner les promesses de Dieu sur nos vies. Ça veut dire, j'abandonne le fait de vouloir aller plus loin, aller plus haut, vraiment vivre tout ce que Dieu désire pour ma vie. C'est comme, c'est pourtant je respire, je suis capable de fonctionner, je suis capable de me lever le matin et de faire des choses, mais je lave mes filets, c'est fini. J'arrête. Il y a quelques temps, j'écoutais un humoriste sur les réseaux, et vraiment un gars que j'apprécie, et c'est un gars qui est d'origine africaine, je ne sais pas de quel pays il vient d'Afrique, et il était dans une interview, ce n'était pas un sketch, c'est une interview, et il racontait une portion de sa vie. Et il disait, en fait, quand il arrivait en France, il a fréquenté avec une fille, et cette fille l'a trompé. Et ça l'a brisé en mille morceaux, puis ensuite elle est partie, ils n'ont pas réussi à s'arranger, bref, c'était une catastrophe pour lui. Et ça l'a il était tellement amoureux que littéralement, il dit, ma vie s'est effondrée. Et là, il a fait une dépression. Il ne bougeait plus de chez lui, il restait enfoncé dans son canapé, et c'est fini, et j'en ai marre, et ma vie est fichue. Et vraiment, il bougeait plus, il sortait plus, il ne se lavait plus, bref, la déprime totale. Puis un jour, son père le sait, il l'appelle du pays. Il dit, hey, allô, il dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va en ce moment? Et là, il dit, pas, je suis brisé, je ne peux plus avancer dans la vie. La femme que j'aimais m'a trompé. Tu comprends, papa? Ma vie est terminée, je ne peux plus avancer, je suis complètement anéanti. Son père dit, comment ça, tu ne peux plus avancer? Il dit, oui, pas, je ne peux plus avancer, je suis brisé. Et son père, véridique l'histoire, son père lui dit, t'es où là? Il dit, bah, je suis sur le canapé. Il dit, lève-toi. Ah, il se lève. Il dit, vas-y, fais un pas. Il fait un pas. Vas-y, fais un deuxième pas. Il fait un deuxième pas. Eh ben, tu vois que tu peux avancer. Allez, vas-y. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ok ? Tant que tu respires, que tu bouges, j'aime les conseils comme ça. Bon, des moments, c'est un peu plus compliqué, la vie, mais j'aime les conseils comme ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu peux te lever et mettre un pied l'un devant l'autre, même lorsque tu as pleuré, mais à un moment donné, remets-toi en route parce que Dieu n'en a pas fini. Arrête de laver tes filets, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Je le crois. Vous seriez surpris du nombre de personnes dans les églises qui sont capables de se mouvoir, de bouger, de fonctionner, mais qui en ce moment, et certainement qu'il y en a plusieurs dans ce lieu aujourd'hui, et qui m'écoutent sur Internet, qui en ce moment, malgré tout ça, sont en train de laver leurs filets. Je suis venu t'encourager
pour te dire « Dieu n'en a pas fini avec toi ». J'imagine, Jésus est en train de prêcher, il voit de loin, il y a Pierre, il est là, il est certainement à genoux, il est en train de laver ses filets, pour lui c'est terminé, il nettoie ça, c'est fini, ça n'a pas marché, j'ai bossé, « Pasteur, j'ai fait tout ce que je pouvais, ça ne marche pas, mais non, je rentre à la maison, c'est juste terminé. » Et vous serez, c'est juste fou. Vous savez, abandonner des moments, écoutez bien, abandonner, c'est pas juste que ton corps n'est plus là, c'est ton esprit qui est parti. Vous comprenez? Pierre est en train de nettoyer ses filets, c'est pas juste son corps qui a quitté la barque. Des moments, ton corps est toujours dans la barque, mais ton esprit n'est plus là. T'as abandonné. Laissez-moi vous donner des exemples. Vous savez qu'un divorce, il s'acte finalement, pas le jour de la signature, hein. Des moments, madame s'est levée le matin, elle t'a fait le petit-déj, hier soir elle t'a fait un bisou et mon chéri, nanana. Toi tu te lèves et tu crois que tout va bien. Elle, dans sa tête, elle lave les filets. Vous comprenez? Elle lave peut-être les filets en pensant à quelqu'un d'autre. Mais tu vois rien. Monsieur arrive le soir avec un bouquet de roses parce qu'il voit que ça ne va pas bien et il sent qu'il est en train de laver les filets, mais il se bat et il a bien raison de se battre. Il se bat pour que les choses fonctionnent. Et elle voit le bouquet de roses, elle est toute contente. Elle n'a aucune idée que monsieur est en train de laver les filets dans sa tête. Je suis venu m'adresser à tous ceux qui sont en train de laver leurs filets et de vous dire, je crois, et je le crois de tout mon cœur, comme Jésus a vu Pierre, alors qu'il est en train de prêcher, mais il l'a vu, il l'a discerné, il a vu ce gars qui était sur le point d'abandonner, il a laissé la foule pendant un instant, et il a été vers celui qui est en train de laver les filets. Quel que soit le comportement dans lequel, de ta vie, dans lequel tu es en train de laver les filets, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit, peu importe, ministériel, peu importe, Jésus sait quand tu es en train de laver les filets. Et il se dirige vers toi afin de bouleverser et littéralement changer ta vie. Je sais que la plupart d'entre nous, on veut un Jésus gentil. On veut un Jésus bien tranquille qui ne bouleverse pas trop notre vie. J'aimerais vous dire, écoutez bien, je crois que Jésus est sauvage. Je crois, écoutez, quand Jésus va dans une ville, regardez bien, quand Jésus va dans une ville, il retourne la ville. La manière, il rentre dans une ville et quand il part, la ville, elle est chamboulée. D'ailleurs, les gens sont là, waouh, c'est étonnant ce qu'on a vu, je n'ai jamais rien vu de pareil. C'était paradoxal. Et la Bible nous dit, des moments, Jésus arrive et les gens sont surpris de le voir. Quand Jésus arrive, Jésus est fort, il est puissant, il est extraordinaire, il a de l'autorité, il est puissant, il est viril, il est sauvage, il est tout ce que tu veux. Jésus arrive dans une ville et il retourne la ville. Combien croient que Jésus peut retourner notre vie à nous? Comment elle croit? Écoute, mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui, Jésus arrive, Jésus arrive. Arrête de laver les filets, Jésus arrive, Jésus arrive. Il va retourner ta vie. Jésus arrive, littéralement. Et ce qui est fort, c'est que faut comprendre que Pierre, écoutez bien, Pierre et Jésus, enfin Simon, c'est Simon celui qui va devenir Pierre, c'est pour ça que des moments je dis, vous me faites grâce. Et en fait, ils ne se connaissent pas encore. Simon, c'est juste un marin pêcheur, et c'est là qu'ils font connaissance. Et la Bible nous dit que Jésus arrive, et il va monter dans la barque de Pierre, de Simon. Et j'imagine Simon, qui est là, en train de laver ses filets, il a dû se retourner, il dit, waouh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il monte dans ma barque, comme ça. Regardez ce qu'il est dit. Jésus monta dans la barque et demanda à Simon de s'éloigner du rivage. J'aime tellement cette pensée. Jésus monte dans la barque, Simon lave les filets, il se retourne, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, Jésus est en train de le détourner de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire le fait d'abandonner, et il va dire à Simon, viens, on va dans le rivage, viens, on s'éloigne un petit peu. Comprenez-vous? En d'autres termes, arrête de t'apitoyer. Ce qui est fait, est fait. Ce qui est fini, est fini. Arrête de ressasser sans arrêt le passé. Je crois que ce que Dieu est capable de faire aujourd'hui, ce qui est fait, est fait. Mais ce que Dieu est capable de faire aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre dans ta vie. Ce qui est fait, est fait. Ce qui est fini, est fini. Vous voyez, mon iPad, je ne sais pas si vous voyez, il a pris un pet.
La vitre, elle est un peu brisée. Et la semaine passée, quand je prêchais à Paris, à Momentum Paris, et Yvan, le pasteur Yvan, il voit que ma vitre, elle est pétée. Alors il vient me voir, il était tout content, il vient me voir à la fin. Il me dit, ouais, tu fais le malin quand tu prêches comme ça avec ton iPad. Tu l'as fait tomber, tu l'as cassé. Et j'ai dit, mais non, c'était pas ça. Et en fait, j'explique, il était vers ma table de nuit, et il y avait mon téléphone qui était sur la tablette, et je sais pas, en bougeant, je sais pas ce que j'ai fait, et le téléphone est tombé littéralement sur l'iPad. Et ça a pété la vitre. J'aimerais avoir une touche retour en arrière. Et hop, plus rien. La vitre, elle est nickel. Mais ça n'existe pas. Ce que vous avez remarqué dans la vie, ça n'existe pas, les touches retour en arrière. Ça, c'est dans les streaming, dans les DVD ou je ne sais quoi. Mais dans la vraie vie, retour en arrière, ça n'existe pas. Ce qui est fait, est fait. La nuit passée à bosser, à travailler, etc., tu ne peux pas revenir en arrière. Elle a été faite, elle a été accomplie. Les drames qu'on a vécus, on les a vécus. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, en disant « je fais confiance à Dieu », les choses peuvent changer, un nouveau jour se lève et sa grâce peut se manifester. Si vous le croyez. C'est pour ça que j'écris « ne passez pas votre aujourd'hui à ressasser votre hier ». Passe pas ta journée à repasser les trucs qui n'ont pas fonctionné hier. Parce que il y a cette réalité, Jésus monte dans le bateau, il monte dans le bateau, et il va dire, vas-y, éloigne-toi un peu. Donc ils vont dans le rivage, et la Bible nous dit que Jésus va se mettre à prêcher. Et c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que, nous, vous savez, des moments, notre bateau, c'est notre bateau. Okay ? C'est-à-dire que je ne vois rien d'autre que mon bateau, je ne vois rien d'autre que mon ministère, je ne vois rien d'autre que mon couple, je ne vois rien d'autre que la maison que j'ai, je ne vois rien d'autre, c'est mon bateau, okay ? C'est un bateau. Sauf que quand Jésus monte dans le bateau, Jésus va donner, écoutez bien, un but bien plus élevé au bateau que ce qu'il était à la base. Parce que d'un seul coup, finalement, ce bateau, qui n'était qu'un bateau pour pêcher du poisson, va devenir un podium, une estrade, une scène pour prêcher la gloire de Dieu et que des vies soient transformées. Et je crois que quand Jésus vient dans le bateau de notre vie, quand il vient dans le bateau de nos familles, dans le bateau de peu importe ce que nous avons, notre entreprise, là c'était le cas d'une entreprise par exemple, ou que ce soit dans le ministère, etc. Quand Jésus vient dans le bateau, à ce moment-là, le bateau devient autre chose qu'un simple bateau. Ça devient un podium, un récipiendaire de la gloire de Dieu qui veut se manifester pour tous les gens qui sont autour de nous. Alors laisse Jésus monter dans ton bateau, et ton bateau va devenir beaucoup plus qu'un bateau. Ça va devenir un témoignage, littéralement, à la gloire de Dieu. Dieu veut utiliser ce bateau. Et ce qui est beau dans ce passage, c'est que moi, en tant que prédicateur, j'analyse tout le temps. Au début, quand j'apprenais à prêcher, je me souviens, tous les prédicateurs, je les écoutais tous, je prenais des notes, je voulais écouter tous les meilleurs, etc. Mais quand tu vois Jésus, il appart tout le monde. Moi, je prêche, je vais suer, je bouge, je saute, j'ai un iPad, je fais toutes sortes de trucs, j'essaye de capter votre attention. Jésus, il s'assoit, il parle. Tranquille. En plus, dans une barque où certainement il y a du bruit, où il y a des vagues, où il y a du pop, où il y a toutes sortes de choses, il n'y a pas de garderie, il n'y a rien. Et tout le monde est suspendu aux lèvres de Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, on est d'accord avec ça? Et Jésus est là, il est en train d'enseigner, il transforme ce bateau en un podium pour manifester la gloire de Dieu. Et il s'assoit tout simplement. Et en fait, on s'aperçoit quand Jésus prêchait, il s'asseyait tout le temps. Sermon sur la montagne, il monta sur la montagne, il s'assit et commença à enseigner. Heureux les pauvres en esprit. Et Jésus s'asseyait. Et je me dis, quand je lis ça, je me dis, Seigneur, viens t'asseoir sur ma vie. Assis-toi sur mon existence. Viens t'asseoir dans mon bateau, Seigneur. Viens t'asseoir dans mon ministère. Viens t'asseoir dans mon couple. Viens t'asseoir dans ma relation avec mes enfants. Viens t'asseoir, Jésus. Viens t'asseoir, je cours, je saute, je gesticule, je transpire dans tous les côtés, Seigneur mon Dieu, mais j'ai juste besoin que tu viennes t'asseoir. Ça ne marchait pas. Je travaillais toute la nuit, ça ne marchait pas. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes et que tu t'assoies dans la barque de ma vie. Et alors que le Seigneur va s'asseoir, il y a des choses qui vont se mettre à bouger et qui vont changer. Regardez ce qu'il est dit. Quand il est fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, avance en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » J'aime cette pensée. Lance-toi dans les eaux profondes. Avance, quitte le rivage, quitte la plage, va dans un endroit
où tu n'auras pas pied. Va dans un endroit où Dieu va pouvoir faire des choses qui sont extraordinaires. Avance littéralement dans les profondeurs. Il est temps de quitter la plage. Vous savez, on habitait au Canada pendant 3 ans avec mon épouse, et dans le quartier où nous étions, il y avait une pataugeoire pour les enfants qui se transforme en patinoire l'hiver. Et la pataugeoire, c'est simple, c'est un peu comme les miroirs d'eau, tu as 2-3 cm d'eau. Et là, tu as tous les enfants, ils pataugent dans la pataugeoire, c'est le nom. Et là, ils sont tous en train de s'amuser. Et c'est génial, c'est normal, c'est des enfants. Imagine un gars de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il est là, il patauge sur la patinoire. Tu as envie de lui dire, mon gars, tu n'as rien compris, quitte la pataugeoire et va dans la piscine olympique, va là où tu as papier, parce que c'est là que ça se passe. C'est là qu'on gagne les médailles d'or. Tu ne les gagnes pas dans la pataugeoire. Quitte la pataugeoire. Lance-toi dans les profondeurs. Va en eau profonde. Parce que des moments, on est là. Et, Seigneur, je ne comprends pas. Je n'obtiens pas ma percée. Je ne comprends pas pourquoi ça bloque. J'ai toutes sortes de blocages dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à obtenir telle promesse, à faire développer mon appel, etc. Écoute, il est temps que tu te lances. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu n'as pas été dans les profondeurs de la foi. Tu ne t'es pas lancé dans les profondeurs. Mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui, jette-toi dans les profondeurs. Vas-y, dis-lui, mais jette-toi, vas-y. C'est le moment de te lancer. C'est le moment que tu y ailles. Je ne veux plus de la pataugeoire. Et maintenant que je sais que Jésus me donne la permission, même si ma mère ne veut pas y aller, je vais y aller. Même si mon père veut pas que j'y aille, je vais y aller. Même si mon frère veut pas que j'y aille, je vais y aller. Écoute, Jésus m'a dit, lance-toi dans les profondeurs. Mon gars, je vais y aller. Je vais vivre quelque chose. Et soudain, écoutez bien, ça c'est fort. Et soudain, j'ai réalisé quelque chose. Si tu peux mettre la slide. Simon possède le bateau, mais Jésus possède la mer. Et ce que tu veux n'est pas dans le bateau, c'est dans la mer. Tu comprends ? En fait, toi, tu as la possibilité et l'accès que tu as, c'est ton bateau. Tu es le chef de ton bateau. C'est ton bateau. Que ce soit ton ministère, que ce soit ton couple, que ce soit ton business, que ce soit peu importe. C'est ton bateau. Sauf que ce qu'il manque à ton bateau, en fait, c'est dans la mer. Et celui qui possède la mer, c'est Jésus. Et la mer est beaucoup plus vaste que ton bateau. Et tout ce que tu désires dans ta vie, tes rêves, tes aspirations les plus profondes ne sont pas dans ton bateau, elles sont dans la mer. Et toi, si tu les veux, il faut que tu avances en eau profonde. Il faut que tu ailles les chercher et que ceux qui le croient disent « Amen, s'il vous plaît, la prière de tous » et avance en eau profonde. Il est temps de lancer ton bateau. J'ai presque fini, je vais me rapporter une dernière pensée et la pensée est la suivante. Jésus a dit, on l'a lu ensemble, Jésus a dit, jetez vos filets. Regardez, on va relire le passage. J'ai demandé aux musiciens s'ils peuvent revenir. Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, avance dans les eaux profondes, et jetez quoi ? Vos filets, pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ayant jeté le filet. En d'autres termes, Jésus dit, hey « Eh les gars, on va y retourner et il va falloir que vous jetiez les filets. Tous vos filets là, prenez tous vos filets, prends tout ce que tu possèdes, prends tout ce que tu as, on va retourner dans la mer et c'est le moment de jeter tout ce que vous avez. C'est le moment de jeter vos filets. » Et les gars y vont, mais au lieu de jeter les filets, ils jettent un filet. Ils jettent le filet. J'aimerais te dire, mon ami, à chaque fois que Dieu te demande quelque chose, prends tout ce que tu as. Quand il te dit « jette tes filets », tu jettes tes filets. Quand il te dit « avance en eau profonde », avance en eau profonde. Je crois qu'un des blocages qu'on a dans notre vie, c'est qu'on a du mal à aller dans les profondeurs et on a du mal à jeter tout ce que Dieu nous demande de jeter. Avance dans les profondeurs et jetez tous vos filets. Parce que la pêche, elle va être miraculeuse. Et ce petit filet que t'embarques avec toi, en fait, ne suffira pas pour la quantité de poissons que je veux te donner. Ce petit filet ne suffira pas pour tout ce que je veux accorder dans ta vie. Avance et jetez vos filets. Quand Jésus te dit ça, tu ferais mieux de faire tout ce qu'il te dit de faire. Tu ferais mieux de jeter tous tes filets. Parce qu'à la fin, les gars, ils sont là. Au secours, venez nous aider, il y en a trop. J'aime trop cette idée.
J'aime trop ce passage. Je trouve ça extraordinaire. Moi, ça me fait penser, en tant que pasteur, moi, ça me fait penser à nous, les pasteurs. Tu sais, des moments, tu es là, tu es avec ta petite canne à pêche, tu essayes de pêcher une personne, et puis dès qu'il y en a un qui arrive, ah, oh, toi, tu fais du bruit, toi, tu fais partir les poissons, tu vois. Mais quand il y a un réveil et que la pêche devient miraculeuse, d'un seul coup, les autres ne deviennent plus un problème. Tu les appelles à l'aide. Ah, oh, des bédés, il y en a trop. Vous comprenez? Et je crois que c'est pareil dans nos vies. Des moments, t'es jaloux, t'as peur que l'autre te pique ceci, ta grâce, ta bénédiction, ou je ne sais quoi, on se regarde comme ça en chaîne faïen. Mais la réalité, si demain nous vivions toute l'étendue de ce que Dieu désire que nous vivions, j'aimerais te dire, l'autre ne va pas devenir un problème, l'autre, ça va devenir quelqu'un qui va t'aider parce que tu vas être trop béni. Mais nous, on est tellement dans la petitesse de nos choses qu'on voit les autres comme un problème. Alors que quand on vit le miracle et qu'on obéit à Dieu, on a besoin des autres. On a besoin qu'ils viennent nous aider, qu'ils viennent nous secourir. Et là, ils vont vivre un miracle qu'on appelle la pêche miraculeuse. Et c'est intéressant, parce que je pensais à ça, je méditais là-dessus. Vous savez, en règle générale, c'est quoi un miracle? Un miracle, bien souvent, 95% du temps, c'est une loi de la nature qui a été enfreinte. Okay? Par exemple, Pierre qui marche sur l'eau, on est d'accord qu'une loi physique a été enfreinte. C'est pas normal de marcher sur l'eau, ok? De marcher sur la mer, c'est pas normal, vous êtes d'accord avec ça? Je parle pas du miroir d'eau à Bordeaux, je parle de vraiment la mer, tu vois? C'est pas normal que tu marches. Une loi de la nature a été brisée. Quand la mer Rouge s'ouvre en deux, la loi de la nature a été brisée. À un moment donné, dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, il y a un âne. Dieu a utilisé un âne, un vrai âne, hein? Il a utilisé un âne pour prophétiser, et c'était pas Shrek. Et l'âne a parlé. Et on est d'accord pour dire que les ânes, ça parle pas. Quoi qu'un jour, j'ai dit ça et quelqu'un qui m'a dit, une dame qui m'a dit, bah, tu connais pas mon gendre, c'est un âne et il parle. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, quand tu regardes, aucune loi de la nature n'est brisée. Il y a une mer qui contient des poissons. Il y a des barques, des vraies barques de pêcheurs. À l'intérieur, il y a des pêcheurs, et pas n'importe lesquels, des pros, c'est des professionnels, qui ont un filet. Et ils font quoi? Ils jettent un filet dans la mer qui contient des poissons, et ils pêchent des poissons. Il est où le miracle? Il n'y a aucune loi de la nature qui est brisée là-dedans. Mais le miracle a lieu, pourquoi? Parce qu'avant, ça ne fonctionnait pas. Ça ne marchait pas. On avait beau tenter tout ce qu'on voulait tenter, ça ne marchait jamais. Puis d'un seul coup, Jésus monte dans la barque alors que tu es en train de laver tes filets. Et ce qui ne marchait pas, ce qui ne fonctionnait pas, se met à fonctionner. C'est ça le miracle. Jésus arrive dans ta vie et il change les choses, il débloque les situations, il débloque les rêves, il débloque les promesses, il débloque les aspirations. Et que ceux qui le croient fassent du bruit, s'il vous plaît. Regardez. L'ayant jeté le filet, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet se rompait. En fait, en y réfléchissant, en méditant sur ce passage-là, je m'aperçois d'une chose, c'est que c'est l'histoire d'un filet. Le filet, à la base, ils lavaient les filets, ils abandonnaient. C'est terminé, je lave, c'est fini. Je lave mes filets, sous-entendu, c'est terminé, game over, j'abandonne. Jésus arrive, il dit, vas-y, prends le filet là, et viens avec moi dans les profondeurs. Et le même filet que tu es en train de laver, sous-entendu, j'abandonne, vas-y, mais non, jette-le. Et là, il le jette. Et le filet, à la fin de l'histoire, se brise, se rompt, tellement qu'ils vont être bénis. Est-ce que tu comprends? Je m'adresse aujourd'hui à tous ceux qui lavent leur filet. Et j'aimerais te dire, Jésus n'en a pas fini avec toi. Que ce soit dans ton couple, dans ta famille avec tes enfants, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans des rêves, des aspirations, que ce soit professionnellement parlant, Jésus n'en a pas fini. Toi, tu laves les filets. Personne ne le sait, personne ne le voit. Personne. Ta femme ne le voit pas. Ton mari ne le voit pas. Mais toi, tu es en train de laver les filets en ce moment. J'aimerais te dire, Jésus te dit, vas-y, reprends-moi ce filet et viens, on y retourne. Et Dieu va amener du blocage,
il va amener le déblocage. Alors ce matin, débloque ta foi et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Juste là où on est, est-ce qu'on peut étendre nos mains devant le roi des rois? J'aimerais prier. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là et ceux qui sont devant leur écran ou ceux qui écoutent ça en podcast. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui, au moment où je parle, sont en train de laver leurs filets. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses agir. Ta parole nous dit, Pierre voyait même pas que tu le regardais. Pierre avait aucune idée que quelqu'un avait les yeux posés sur lui. Il lavait les filets, il abandonnait, et il se rendait même pas compte que le Seigneur des Seigneurs avait ses regards sur lui et de ce qu'il allait faire dans sa vie. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui lavent leurs filets. J'aimerais prier pour toi ce matin. J'aimerais prier pour toi pour que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Alors juste là où tu es, si tu es en train de laver tes filets et que tu as besoin que Jésus monte dans le bateau et t'amène dans le lieu du miraculeux, juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Il y a plein de mains partout à travers ce lieu qui se lève. Encore des mains, encore des mains. Vous me connaissez, je ne suis pas long, j'aime pas faire traîner le temps d'appel. Encore des mains qui se lèvent. 3-4 secondes et j'arrête. Encore des mains. Est-ce que vous pouvez... J'aimerais qu'on fasse quelque chose de manière symbolique. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir prier pour vous, mais j'aimerais un peu de manière symbolique. Un peu symbolique dans le sens, je quitte la plage, je quitte le rivage, je quitte le lieu où je lavais le filet pour me rendre dans les profondeurs de là où Dieu m'attend. Lorsque tous ceux qui ont répondu à cet appel, est-ce que vous pouvez quitter vos rangs et venir sur le devant? On va louer Dieu avec toute l'équipe de louanges, on va proclamer le nom de Jésus. Quittez les rangs, venez sur le devant. Venez, approchez-vous. Tous ceux qui ont répondu, approchez-vous. Ne bloquez pas les allées, approchez-vous. Venez sur le milieu, approchez-vous. Ne bloquez pas les allées, s'il vous plaît, approchez-vous. Venez sur le devant, mettez-vous au milieu, approchez-vous le plus près possible. Il y a plein de gens. Seigneur mon Dieu, on va prier. J'aimerais que là où tu es, sur ta situation, alors que tu es en train de laver les filets, sur ta situation, tu vas proclamer le nom de Jésus. Tu vas proclamer le nom de Jésus comme jamais auparavant. Tu vas intercéder à travers ce chant. Tu vas déclarer le nom qui change toutes choses et toutes circonstances. C'est toujours dans le nom de Jésus que les malades sont guéris. C'est toujours dans le nom de Jésus que les captifs sont délivrés, que les stériles enfantent. C'est toujours dans le nom de Jésus que les captifs sont délivrés dans la puissance du nom de Jésus. Alors là où tu es avec Dan et toute l'équipe, on va déclarer le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter comme une déclaration ce matin? Je veux proclamer le nom de Jésus. Sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Et je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie, oh Jésus.
Déclarons, déclarons-le sur les mots. Jésus dans nos vies, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Quelque chose, j'aimerais prier et j'aimerais vous inviter à répéter la prière avec moi. Vous êtes accueillis avec ça, tous ceux qui ont répondu à l'appel, ceux qui n'ont pas répondu, tous ensemble, qu'on puisse le déclarer d'une seule voix et d'un même cœur. Seigneur Jésus, avec plus de foi encore, Seigneur Jésus, je viens devant toi parce qu'en ce moment, je suis en train de laver les filets, mais je crois que tes yeux sont sur moi. J'étais sur le point d'abandonner, mais aujourd'hui, je comprends que tu vas monter dans ma barque, que tu vas m'appeler à aller plus loin, dans les profondeurs de la foi. Et là, Seigneur, je vais t'obéir. Je vais jeter tout ce que je peux jeter. Et je crois que je vais vivre le miracle dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et acclament. Alléluia. Alléluia. Mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui, lance-toi dans les profondeurs. Vas-y, dis-lui. Arrête de laver les filets. C'est le moment d'avancer. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que ce message vous a impacté, que ce message va rebooster votre foi, va vous amener à franchir des étapes dans votre foi à nouveau. En attendant, au nom de toute l'Église Momentum, je tiens à vous remercier pour votre fidélité à travers les dîmes et les offrandes. Si vous voulez nous soutenir encore, le QR code s'affiche afin que vous puissiez donner en ligne pour tout ce que l'on est en train de faire, Momentum Bruxelles, Momentum en ligne et Momentum Paris. Et je vous encourage aussi pour ce démarrage de Momentum Paris le 15 septembre à prier avec nous dans cette semaine afin que ça soit un moment béni et glorieux. En attendant, soyez bénis, passez un temps merveilleux avec le Seigneur et à très bientôt.